Salut YouTube, salut Twitch, on se retrouve pour une nouvelle session sur Monster Hunter World. Je suis solo aujourd'hui, j'ai pas très longtemps d'ailleurs, j'ai un peu moins de 2 heures, donc on va essayer de faire ça bien, histoire d'avancer un petit peu dans cette aventure incroyable, hein, surtout tout cet aspect farming finalement qui s'offre à nous, qui s'ouvre à nous, parce que maintenant, voilà, on est un petit peu emmené à farmer dans tous les sens, du moins selon dont on a besoin. On l'a vu la dernière fois, enfin les dernières fois d'ailleurs, parce que la session précédente ainsi que la session d'avant, voilà, on avait terminé tout ça, donc on était un petit peu, voilà, en train de jongler entre qu'est-ce qu'on fait, au secours, faut farmer, qu'est-ce qu'il faut farmer, est-ce qu'on reprend à zéro, est-ce qu'on grid comme on l'a fait un petit peu non intentionnellement finalement via le tout le long du let's play où finalement on a farmé des monstres qu'on n'avait pas à farmer au début, tout ça. Bon, le Rathalos est tombé en mode expert, c'est un des premiers à être tombé d'ailleurs, ce qui finalement prouve que c'est faisable. Voilà, c'est faisable, donc en soi farmer l'armure Rathalos ce serait quelque chose de cool, même si visiblement il y a mieux. L'armure Allez, Rathalos, il va falloir trouver des je sais plus écofacteurs de quoi, notre monstre mystère. Explorons chaque région. de ce que Tu j'ai peux équipé pour partir le en chat là. expédition ou accepter une quête libre. À toi de Je ne sais voir. plus. Bon, ah, tu parles trop, toi. Je sais plus comment il s'appelle, la Basel Geuse. Basel Geuse, ça fait plus classe. La Basel Geuse qui est visiblement plus balèze que le Rathalos. C'est vrai qu'on l'a très mal vécu la dernière fois avec Dark. Parce que bon, voilà, on a essayé de se la faire et tout, mais en vrai, je suis quand même chaud pour tenter de me la refaire. Donc là, si éventuellement on la croise, ce serait peut-être pas mal que je prenne ma revanche, parce que j'ai envie, voilà, tout simplement, parce que j'ai envie. Et là, j'ai pas d'infos. Ok, bon, et ben ce qu'on va faire, on va aller bouffer un truc. On va aller bouffer un truc. Il faut juste que je check. Attendez, je suis en train de faire plein de trucs en même temps. Que je revoie mon inventaire aussi, tout ce que j'embarque avec moi, parce que c'est vrai que la dernière fois c'était un peu la razzia côté. Allez hop, on va dire ça. Et 10 de la mer. Je me suis fait un petit thé. Alors oui, ça va un petit peu mieux, mais je suis toujours un petit peu malade. Voilà. Vous avez l'info. J'ai une nouvelle tasse. Voilà, parce que ça, je l'ai pas dit aussi. Cadeau de ma femme. Enfin, j'ai deux nouvelles tasses. Et elle en a une. Pour ceux qui me suivent, vous devez savoir que j'ai beaucoup de tasses. Bah, c'est parti, hein, on va voir ça. On va voir ça, on va voir ça. Forêt ancienne, Rathalos. Hein. Il y a Rathalos, et ben. Oui. 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 S'il y a un Rathalos, je prends. Ah, à la base, je comptais même pas. À la base, je comptais. Bon. C'est un peu compliqué. À la base, je comptais faire une session Monster Hunter. Sauf que j'ai eu ma femme au téléphone. Ensuite, j'ai eu ma mère au téléphone. Et donc, je me suis dit, merde, j'ai moins de 2 heures pour faire ma session. Maintenant, je l'ai dans l'os. Et donc j'étais parti pour faire autre chose et puis je me suis dit mais merde, j'ai envie de jouer quand même, j'ai envie d'avancer. Là va falloir farmer, ça va vraiment être inévitable. Surtout que bon bah j'ai la dernière fois qu'on était en session avec Dark, ma femme est en même temps rentrée du boulot, donc elle s'est mise elle de son côté sur sa session pour essayer d'avancer de son côté et tout. Sauf que bon là elle a presque 40 heures de moins de jeu que moi. Peut-être Dark un petit peu moins,
Mais voilà, elle a beaucoup de retard. Et là, vu que nous, on rentre dans le délire mode expert, refarmer les mêmes monstres, mais finalement en difficulté accrue, ben nous, le problème, c'est que l'aider, bon, ben oui, ça va aller vite parce que ben, ça, on va être craqué. Mais pour elle, ça sera pas forcément un plus parce que ben, elle aura pas la vraie, elle aura pas un vrai sentiment, une vraie courbe de progression. Se faire carry, c'est jamais bon, hein. Faut toujours apprendre par soi-même et après apprendre à dépendre des autres. J'ai pas checké mon inventaire, donc je ne sais pas ce que j'ai. Sacoche. Je n'ai même pas de ration. C'est la zob. Des rations, des rations. Est-ce que je... Ah, des remèdes d'herbe, c'est vrai que j'en prends plus depuis un moment alors que c'est super intéressant. C'était pas les potions secrètes. Attends. Attends, mais c'est pas les potions secrètes le délire que j'en ai plus alors qu'en fait c'est méga important. Attends, 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 attends. Non, parce que là j'en ai plus. Mais non. Putain, mais il me semblait j'en avais besoin en plus. Mais qu'est-ce que j'ai branlé? Eh ben, j'en ai pas. Eh ben, j'en ai pas. Eh ben, tant pis. J'aurais pu prendre des méga nutriments. Je vais prendre des méga nutriments. Ah oui, désolé. Je bafouille. Les méga nutriments. Alors, où c'est? Méga nutriments. Et donc. Ah, Kuluyaku. Kuluyaku qui est là. Hein. Ah, Pouké Pouké, Kuluyaku. Nickel. Mais what the fuck? Manquerait plus que le Rathalos. Cela dit, un Rathalos face à ces deux-là, ce serait marrant. Bon, il se barre, il est pas content. Alors vous êtes sympa, hein, mais c'est pas du tout, mais alors pas du tout, mon intention de vous défoncer. Hein. Moi à la base je suis venu. Ah oui, c'est vrai que finalement, inspecter des traces et compagnie, c'est super important. Yo, yo les gars, yes, genre. Alors, s'ils viennent avec nous, c'est du génie. Donc, il faut que j'arrive à trouver ce. Mais ils sont en train de se foutre sur la gueule! Bon, vas-y, vas-y, vas-y. Oh le con. Ok, ça n'a aucun sens, hein. Je ne comprends rien. Hop là, ça c'est cadeau. C'est pour Bibi. Allô? Et merde. Bordel. Ah mais c'est cool parce que là je vais gratter un tout petit peu. Mine de rien, on a vu la dernière fois qu'on avait besoin de toutes les ressources, hein, donc même si c'est des monstres de merde dans l'absolu, j'en ai besoin quand même.
Le tout c'est vraiment d'aller vite, histoire de quand même pouvoir se faire le ratalos rapidement. L'autre se barre. Ah. Allez hop, je me permets. Ah oui, mais il m'a mis des dégâts ce con. Ah oui, je me fais pas cancel. Oui, parce que j'ai remarqué que depuis qu'on est passé en mode expert, j'ai tendance à pas me faire cancel, mais je me prends quand même des dégâts. Ouais, on voit rien. Attends, on lui défonce la gueule, hein. Ouh là là. Alors je fais juste un truc, je ramasse ça. Il y avait un truc à ramasser là-bas. Voilà. Remettre d'air, bordel de cul. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Dégâts nutriments, s'il te plaît. Viens là, viens là, viens là, viens là. Allô. Il veut pas? Ah bah nickel. Reviens là. Putain. Bon. En vrai, on a bien avancé. On a bien avancé, on l'a bien tapé. Alors c'est pas du tout l'objectif, hein, mais c'est pas mal. Alors eux, oui, je sais, normalement faut les taper et tout, mais on n'a pas le temps. Je veux vraiment trouver le Ratalos, et puis de toute façon le Ratalos va me faire bouger, donc forcément que je vais les recroiser ceux-là. Je sais pas combien j'ai pris de smoke par contre sur moi. 5. Ah, j'ai même pas de quoi faire 3 monstres. On va voir. Alors oui, hein, là c'est clairement une session hyper lambda du cul. Mais en même temps, vu qu'il y a quand même ce... Vu qu'il y a quand même cet objectif de d'avancer et que c'est le mode expert, donc forcément, c'est la redécouverte, hein, et c'est ça qui est cool finalement. Et c'est, je comprends finalement la communauté sur ce jeu qui est là en mode oui, ce jeu il a une durée de vie de ouf et tout. Bon, après, c'est du recyclé, mais c'est du recyclé intelligent. Donc pour l'instant, je trouve ça. Je trouve ça rationnel. Alors le miel, ok. Peut-être que je... Oh, le Ratalos qui... Non. Ok, bon, il me dit que dans tous les cas le Ratalos allait par là. Racian. Alors oui, cette histoire de traces de Racian, hein, bon, dans tous les cas c'est super... Enfin, c'est important que finalement vous soyez témoin de cette progression là. Notre rapport aux archives écologiques. Donc voilà, on avance quand même. Même si on farm et tout ça, il y a toujours une part de progression. C'est pas dit qu'on tombe pas sur des Grimalkin, enfin sur des petits chats et tout qui nous fassent progresser de map en map. Donc voilà, c'est dans tous les cas, ça reste. Il y a toujours un petit peu. C'est un petit fourre-tout en termes de progression, non?
Allez. Yes, je tue. Bon, je vais pas tenir longtemps, mais je tue. Ouais. Ah, il m'a complètement kické. Oh yes, il a posé un piège de con. Viens là. Et paf. Énorme. Ouais. Il y a des nouvelles attaques. Mais en vrai, enfin, je sais pas si c'est le fait d'en avoir farmé autant, alors que j'étais pas censé le faire, mais je trouve que maintenant les Rathalos c'est easy. Je trouvais même que le Rathalos était plus simple que la Rassian que j'avais affronté juste après. Ça se passe bizarre. C'est vraiment bizarre. Ça fait genre le mec américain et ouais les Rathalos c'est facile. Mais je sais pas en fait. Je trouve ça. Après c'est avec mon arme, comme disait Dark, lui il est avec une arme très très rat de terre et du coup bah, ça le lui il peut pas en fait quand il touche trop en l'air. Moi ça va, c'est pas trop un problème tant que c'est pas des attaques schnapsées. Oh oui, donne-moi ça. Ok. Ah, oh, ça mérite un petit Dovahkiin. Oui. Ça mais grave. Yes, la queue. Oh ouais, non mais c'est easy. C'est trop easy. Bon, j'avoue qu'à la fin il s'énerve un petit peu. Je me rappelle que il a tendance à s'enflammer un peu. Ouais, oh, non mais attends, mais je suis en train de me dépouiller. Et je rappelle que je n'ai encore aucun équipement expert sur moi. Là, c'est vraiment Vanilla. Bon, certes, un peu amélioré, mais Vanilla quand même. Oh là là. Hop, on va même faire ça. La flash, je la garde quand il se relève. Allez, relève-toi. Mourir le. Non. Merde. Ça je voulais faire. Pas ça non plus. Bon, il se barre. Merci à lui. On l'a mais pourri. On l'a pourri. Alors je sais pas trop si le petit sbire qui nous accompagne il a fait un peu le taf, je pense. Mais énorme. Énorme. Trace de Rassian. Où ça? Yes. Ah mais on l'a défoncé. Improbable quoi. Encore pire que la dernière fois. Ah, le pire c'est que oui, la dernière fois il y a l'autre qui s'était pointé et tout, donc il y avait le fait qu'on savait pas trop à quoi s'attendre. Qu'est-ce qu'il fait? Merde. Eh merde.
Allez, tape la tête, tape la tête, tape la tête, s'il te plaît. J'ai dit tape la tête, bordel. Il est pas content. Oui, d'accord. Allô? Yes. La 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 la. Ah, promis, quand j'aurai mon setup, je mettrai une bande son programmée qui gueulera Novakin, Novakin. Ouais, c'est là qu'il est relou. Hein. C'est là que fondamentalement il nous fait chier. Je peux le flasher quand il est en l'air. Ah mais il y a des sbires à côté, j'avais pas vu. Oh là là, ouais, non mais il est en train de se faire pourrir le cul. Il va crever là quand même. Ah. Il est pas bien. Il est pas bien, il est pas bien. Peut-être même avoir le temps de faire le pouquet pouquet et l'autre. Là on aurait toutes les quêtes libres aussi à faire, les 4 étoiles, 5 étoiles avant d'attaquer les 6 étoiles. J'ai complètement occulté ça. Non, vraiment en train de se faire pourrir le fion, c'est abusé. J'ai limite envie de tenter de le capturer là. J'ai peur de gâcher mes ressources. Non, mais il fait que tomber. Vas-y, et au pire, va derrière. C'est bizarre. J'ai vraiment l'impression qu'il va crever. Ah, très bien. Pierre plan du cul, merci. Ok, bon, il voulait vraiment juste se barrer. C'était son intention. Ouais, mais putain, mais abusé quoi. Ah, y'a eux à pourrir là. Vraiment.
Donc faudra aller par là. Il me fait aller où là? Bon bah par là hein. On y croit. Mais pas du tout. Bon bah vas-y hein. Ah oui, le maître chasseur là, il est pas bien là. Peut-être qu'il soigne. Alors en vrai, on l'a pourri, mais alors par contre, je trouve ça bizarre que bon, il est stock quoi, il est résistant. Mais ah, ça y est, il va crever. Quoi? Quoi? Il a pas pris le piège? Oh non. Mais il a pas pris le piège. Attendez, 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 parce que là j'ai plus qu'une bombe là. J'ai plus qu'une bombe, fais chier. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attends, il a pris le piège, il s'est libéré instant. C'est parce que l'autre l'a tapé? Et eh oui, non, mais j'ai plus de smoke là. Ah, si. J'en avais refait. Et eh ben, on va ranger tout ça. Ok. Bon, et donc oh, il est sur le point de crever, donc normalement il est rentré chez lui, donc on est à côté. Oh, on est à côté, nickel. Ah c'est bizarre parce que putain, il s'est pris mon piège. Ah merde, ils vont quitter la région, c'est con. J'étais tellement chaud pour me les faire. Sa tête? Mais c'est pas sa tête ça. Ça c'est sa tête. Je sais pas. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles de mon piège. Non mais what the fuck. Attends, attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries là? J'ai pas de quoi. Ah mais l'autre il est plus là en plus. Ah parce que j'ai fait une TP. L'autre il a pas suivi. Eh ben tant pis, on va le tuer hein. On va le tuer. C'est pas grave. Mais putain, la dernière fois j'ai réussi à le capturer. Le délire.
comprends pas le délire là. Pourquoi il se libère de mon piège instant là? C'est quoi, c'était par rapport à sa stamina? Parce qu'il lui restait de la stamina donc il... Ah par contre j'ai l'impression que depuis que j'ai mis cette nouvelle arme au chat il tape moins. Vraiment un gros souci hein. Là je... Quand 11, quand 17. Mais je suis pas pendant un combat là. Bon Nick, c'est bon, on va le tuer, c'est pas grave. Ah et là il boite. Ouais parce que tout à l'heure je crois qu'il boitait pas, c'est ça le délire. Ok. Hein? C'est mon insecte qui l'a tué. Mon insecte il a bien étoqué. Énorme. Énorme. Ah putain le con. Ah fait chier par contre, on l'a pas capturé, c'est dommage. J'ai eu que des écailles. Non, dans la finalité j'ai quand même des trucs en plus. Oui c'est à la fin en récompense de... Hein? Quoi il... Pourquoi j'ai été éjecté? Ah mais parce qu'il va se barrer. Ouais. Bon, je vais répéter une partie sur sa tête. Oula. Ce bon. Ce bon qu'il a fait. Ok. Bon l'autre on l'avait bien amoché aussi donc on y va. Et là, il se barre. Ah, j'ai l'impression qu'il a l'air de se barrer. Peut-être je pourrais aller retoper des potes là. Venez avec moi, les gars. Allez, zo. Alors c'est bien pratique, ça les maîtres piégeurs. Le problème c'est que... Là putain mais le Rathalos, je pense que c'était une question de stamina. Et vu qu'il avait encore de la stamina, en fait il était considéré comme bientôt mort. Mais en fait il boitait pas. Donc les pièges ils s'en battaient les couilles. Ça a été mon erreur. Oui et puis là j'aurais beau le speeder. Le problème dans l'histoire, c'est que j'ai plus de piège, j'ai pas de quoi en faire. Donc là, même s'il a une tête de mort, bon ben on va perdre du temps quoi. Bon, hein. On va faire ça comme ça. Alors j'ai n'importe quoi. Allez hop. Zou. Ah si si, il est avec nous l'autre. Bah nickel.
Bon, le temps qu'on arrive, de toute façon. Mais ouais, du coup, là, le Rathalos, on a eu que des écailles plus. Mais est-ce que c'est le. Enfin, il me semble que en fin d'expédition, on a quand même le bonus de. Ah oui, non, mais c'est vrai que les contrats, ça rapporte mieux. Mais le problème, c'est des contrats avec des Rathalos, je vais pas en avoir pour l'instant, je pense pas. Que je me disais d'aller par là. Pas du tout. Nickel. Des rations. On va où là? Je vais où là? Au secours. Pas où je vais. Oh, plus le temps que j'arrive, il va se. il sera parti. Ah, mais vous imaginez là si j'arrive à me faire une armure Rathalos direct pour l'expert? C'est super. C'est ouf. C'est complètement ouf. Bon, j'aurai jamais le temps. J'aurais dû faire une TP. J'aurais dû faire une TP. Alors, il est littéralement en dessous de nous, hein. Mais il me semble que je peux sauter en plus. Bah oui. Ah, il va se barrer. Ah bah on aura gratté la queue au moins. Mais j'ai l'impression qu'il attaque quasiment pas mon sbire. Allez. Oh putain le con. Ah bah voilà. Oh putain mais tout juste. Il allait se barrer. Énorme. Énorme. Ça, par contre il y a un objet visiblement. Yes. Yes. Eh bah nickel. En vrai, nickel. Bon, visiblement, il y a un Kuluyaku dans le quartier, mais est-ce que ça nous intéresse? Oui, enfin, il est là, quoi. Enfin, on s'en fout, Pouki-pouki. T'as, il est là-bas, lui. On va prendre notre revanche. En attendant qu'un autre se pointe. Dans tous les cas, voilà. Toutes ces ressources là, ce qui est cool, c'est que. On va. Elles seront recyclées. C'est là.
Avant, quand on était en mode normal, bon, c'était des monstres, on les avait fait, refait, et il n'y avait plus vraiment besoin de les faire. Mais là, avec le mode expert, ça change tout. C'est ça qui est ouf. C'est que bon, on est assez upgrade, donc finalement, c'est pas si compliqué que ça. Mais j'avoue que le raccourci, c'est quand même de farmer le Rathalos. Ah si, il attaque. Ah oui, bah par contre, quand il attaque, il fait 120 dégâts, quoi. Putain. Il met un coup, mais... c'est pas moitié. Mais je sais pas si c'est rentable, en fait. Parce que s'il met que un coup toutes les... je sais pas combien. Ok. Oh, il est pas content. Hein. Oh, il y a un Tobikadashi. Énorme. J'en ai besoin. Énorme. Bon, par contre, je suis arme aquatique. C'est pas le meilleur des plans. On va changer ça de suite. Je suis arme électrique. Je vais mettre en aquatique. Donc. Il est où? Mais il est où le con? Ah, il est là. Il est là. On va éviter de faire des conneries. Surtout qu'à chaque fois il nous fait passer par là, mais on n'arrive jamais à rien. On n'arrive jamais à bon port. Ah bah super, j'ai sauté. Comme ça c'est réglé. Tobikadashi, oui. Tobikadashi, il nous fallait quand même pas mal de ressources hein, si on voulait se refaire la petite jupette. Mais en même temps, c'est limite indispensable parce que comme ça, je vais avoir un gros upgrade électrique. Et là, pour le coup, tout ce qui est Rathalos, Rassian, tout ça, ça va être gros bénéf. Et ce qui serait bien à farmer aussi, c'est Legiana, histoire d'avoir le petit bonus aérien. En fait, vraiment refaire ce setup, hein. Vraiment ce setup est nickel pour moi. Et comme le disait Dark la dernière fois, dans un premier temps faire le setup sans l'histoire des joyaux, et après dans un second temps farmer les joyaux pour refaire les setups éventuellement et avoir des upgrades adaptés. Il est vénère hein. Tape fort. Il tape fort. Allez, on assomme. Objet, où ça? Allô? Là. Après, j'ai un petit regret quand même que ça soit pas le prolongement de. Bon, après, c'est tout comme, mais ouais. Ça aurait été un prolongement d'armure qu'on a actuellement. Quand j'ai annoncé ça à ma femme hier en mode oui, bah non, mais tu vas voir, tu vas devoir tout recommencer à zéro au niveau des. Au niveau du farming et tout pour te stuffer en expert. Elle me dit oui bah dans ce cas là j'arrête de farmer maintenant et j'avance. Je dis oui mais pour avancer t'as besoin de farmer. Donc ouais c'est...
Ça aurait été le prolongement, ça. Enfin, visuellement, ça aurait été le prolongement de. De ce qu'on fait déjà depuis le début, oui. On constate. Un peu comme dans The Witcher, finalement, qu'on constate les évolutions d'armure petit à petit. C'est con. Il va crever. Est-ce qu'on le tue? Je pense qu'on le tue. Hein. À moins qu'il repiège. Non, le problème, c'est au-delà des. Bon, on va le tuer. C'est pas le plus important, je pense. Toby Kalashi sera très important. On aura fait un petit peu de tout, c'est cool. T'as croisé le Toby Kalashi, ce serait pas mal aussi. D'ailleurs, je sais même pas où il est. J'ai pas l'info. Il est vénère. On sent qu'il est un petit peu plus vénère qu'en normal. C'est cool. J'aime bien. Oui, parce que ça, ils auraient eu vraiment les mêmes comportements, mais juste en mode méga plus buffé. Et, enfin, ouais, là ça aurait été un peu chiant. C'est en mode oui, c'est vraiment du recyclé. Là, voilà, on voit qu'il y a quelques patterns rajoutés, qu'ils ont tendance à être un peu plus agressifs. Empreinte. Allô, empreinte. Empreinte. Où il va. Comme s'il était en dessous, hein. Je sais pas où je vais. Ouais, j'ai fait le grand tour, quoi. Nickel. On va le tuer, on va pas s'emmerder. Surtout que ça va gâcher de la bombe, et de la bombe j'en ai pas beaucoup, même dans le coffre. Allez, c'est maintenant, hein. Je peux se démarquer. Alors oui, des fois les flashs et compagnie, ils en ont mais rien à foutre, hein. Non, le piège. Ah non, ils s'en foutent. C'est vraiment une question de stamina, en fait. Avant, quand il y avait la tête de mort, c'était vraiment automatique, on pouvait les capturer. Maintenant, j'ai l'impression que c'est juste une histoire de stamina. Enfin, en plus du fait qu'il faut qu'il soit affaibli. Là par exemple on pourrait. Allez hop, il est mort. Nickel. Allez. Surveille l'heure, hein, parce que j'ai un rendez-vous donc. Faut que je sois là-bas. Il y avait la carcasse aussi, hein, j'ai envie. Attends, hop, on fait ça. Il n'y avait pas une carcasse à la base?
Il me semblait. Bref. Mais non, mais vraiment? Il est où l'autre? Il est là. Oh là là, mais qui sont casse-couilles. C'est terrible ça, hein. Ah mais tiens, mais elle était là la carcasse. Oui, c'est pareil, hein, les ossements, j'en ai besoin. Hein. Il y a besoin de... Enfin, c'est limite, faut repartir à zéro en termes de farming, c'est ça qui est cool. Salut Ravière. Salut à toi. Pleine séance farm. Enfin farm. C'est j'ai eu mon ratalos quotidien. Je dirais que c'est une bonne chose. Et on tape sur un petit peu tout ce qui se passe. Tout ce qui passe. Et je pense que là. Ouais non ça va. Marc, on a un petit peu le temps. Ça, le tout c'est. De vraiment pas hésiter à choper les empreintes hein, parce que des fois on a des ressources avec les empreintes. Battez-vous! Mais pourquoi il m'a. Pourquoi il m'a pas emmené les. Mais. Mais pourquoi. Pourquoi il a pas allé au bout de sa vita guêpe? Juste à côté? Bordel le cul! Ah, très bien. Nickel. Et je suis sonné. Ah, il y a une Rassiane? Ah, c'est une Rassiane, ça change tout. Donc oui, il y a un Toby Kadashi qui est quand même vachement plus agressif en expert qu'en normal. La Rassiane. Justement, on en parlait, elle est là. Bon, je fais quand même une priorité sur le Toby Kadashi. Hein. Là, y a pas de problème. La question ne se pose pas. Voilà. Le souci maintenant, c'est que. Vas-y, pète-lui la gueule. Ah, yes, 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 yes. Oh là 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 là, le carnage. Ah. On ne sait pas ce qui m'a mis un coup, mais ça me l'a mis. Elle est balèze cette Rassiane ou c'est moi? J'ai l'impression qu'elle est fat. Reviens. J'en ai pas fini. Merde, il y avait peut-être un objet à ramasser d'ailleurs. J'ai été con. Alors, petite ration.
Paf. Putain, mais j'avoue que si je voulais jouer avec plusieurs armes, ce serait l'enfer. Quelle misère ce serait. Ça n'arrivera jamais. J'aurai jamais le temps. Oui, très bonne idée ça. Ah mais la ration a peut-être débarqué, c'est cool. Faut que j'arrive à lui casser la queue. Je crois que c'est le meilleur moyen d'avoir les poches électriques. Sa logique. Pour un meilleur taux de pénétration. Yes. Ah mais on est en train de la défoncer là. Non. Encore partie détruite. Non mais c'est oh là 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 là, bah c'est le carnage absolu. Hein. Bon, peut-être pas autant que le Rathalos, mais. Oh là là là, le carnage. Bon, il a la queue cassée. Et là, il se libère pas. Bon, il a pas l'état tête de mort, donc je bataille pas. J'étais presque. Tu vas m'oublier, tu vas m'oublier. Je te garantis que tu vas m'oublier. Putain, il se barre. Allez, nickel. Ça, j'oublie pas. Ça non plus. Bon. Ah. Peut-être une nouvelle confrontation. Ça m'arrange. Alors ouais. Alors là je suis au bâton aquatique. C'est pas la meilleure des choses. On va voir. Là je pars dans tous les sens. C'est abusé. Assomme-le. Ah
Yes. Oui, la queue, ouais. C'est vraiment l'empoisonnement, c'est pas le meilleur des plans. Je vois rien. On voit rien, ça. C'est infâme. Elle a pas aimé. Faut que ça passe. Ça passe. Yes. Putain, génie. C'est vrai qu'il y a le gros caillou au-dessus. Bon, je pourrais faire tomber si elle était en plein milieu. Alors, comment te dire? Il est où le caillou? Il est pas là? Ah, il est là. Mais putain, il est juste à côté. Chier. Elle se barre. Bon, c'est pas plus mal. Ah bah tiens, l'autre revient, je crois. Yo. Yo. Salut à toi. Lemonette à qui? C'est sûr. C'est quoi ces blazes, les mecs? C'est con que je puisse pas utiliser mon dash justement quand je me fais cancel comme ça en l'air. Du fait que j'ai cette arme là pour bam backdash et me mettre safe même en prenant le dégât hein. Je veux dire prendre le dégât mais quand même avoir la possibilité de dash après coup et faire un sauvetage d'urgence. Yes. Putain. Yes. Du génie. Du génie. Bon, et ben j'ai plus que deux smokes. Et ben ça va être la Rassian. Et après, on va s'arrêter là. Ça sera pile poil. Donc, allez, camp 17. Yes. On se remet électrique. Oui, bah je vais prendre les dernières smokes. Hein. Putain, par contre, va vraiment falloir que je refasse. Hein. Faut que. Ouais. Allez-y. Ah oui non, j'ai cru que c'était un truc chelou que je connaissais pas. Ok, là en dessous. D'accord. Ah bah nickel. Hop. Ah mais d'accord, elle se frite avec le Pookie Pookie. Et elle se barre. Quelle blague. J'ai pas le temps. Ah putain, et là elle remonte. Elle me fait le plan qu'elle remonte. Bon, j'ai le camp à côté, au pire, c'est pas grave, mais
Fais chier. Elle va où là? Ok, elle est pas loin. Putain, je l'ai complètement bouché. Ça doit s'entendre. Et encore. Là c'est soft. Allez. Je l'ai évité de peu celle-là. Ah, celle-là je l'ai pas du tout évité. Oui non, par contre faut pas mourir hein. Et je suis sonné. Ma vie c'est de la merde. Bouge ton cul, je t'en supplie. Oui. Oui, oh bah c'est du génie. Yes, la queue qui est coupée, énorme. Vas-y, tourne ta tête. Merde, chier. Ah non, 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 mais la queue. Je veux la queue. Sommes là. Ouais mais non mais Jack là avec son arme alors il tape quasiment jamais, mais quand il tape c'est 120 de dégâts quoi. Ça a l'air un peu pété hein. Allez non, pas ça. Oui, ça, ça je prends. Ah merde, il se barre le petit chat. Allez, c'est pas plus mal. Oui, oui, non, c'est bon. Je vais aller là-bas récupérer la queue. Qui est où d'ailleurs? Là, putain. Truc énorme, plein milieu. Et merde, hop. Ok, elle va où? Elle est pas loin. Quelle horreur! T'as heureusement que ça nous saute pas à la gueule. Hein. Le cul où elle est à pur.
Oh. On comprend rien. Ah, ils arrivent à mettre des petits coups quand même de temps en temps quand je suis en l'air. Yes, bon, j'ai le droit à mon petit soin en l'air. C'est cool. Oula, 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 oula. Par contre, faut se calmer. Allez, assomme-la. Ah, on l'a recouché ? Énorme. Putain, mais elle arrive à mettre des coups, hein, c'est abusé. Donc est-ce que c'est maintenant qu'en expert les effets genre d'avoir un ratio de chance d'avoir enfin d'éviter de se faire annuler les attaques en l'air. Non. Putain, la petite grenouille à côté, j'ai failli pas la voir. Allez tiens, bouffe ça. Ah non, elle se barre. Ah oui, ok, elle va crever. J'avais même pas capté. Ok, bon bah elle va se... Elle va rentrer chez elle. Elle va rentrer chez elle. C'est quasi sûr. Il me fallait là. Ta, j'attends. Hein. Oui, voilà. On est d'accord. On est d'accord. Ça, par contre, j'aurais trouvé que ça aurait été intéressant de le développer un petit peu plus, le fait que la bestiole se sente vraiment vraiment terrorisée au point de... Bon là elle rentre chez elle, donc c'est une mécanique qui marche, mais ça aurait été intéressant de d'avoir un peu plus encore, enfin de que vraiment elle se sente pas en sécurité et que justement elle aille pas dans sa planque habituelle, qu'elle se mette à un endroit improbable pour récupérer quoi. Allez où? Et paf, c'est fait. C'est nickel. Putain, d'ailleurs ça, on n'est pas allé là-bas. Nickel. On va pouvoir rentrer. Ouais. On va regarder un petit peu tout ce qu'on a chopé, tout ce qu'on a looté. Mais je suis dégoûté pour le Rathalos qu'on a tué du coup. Parce que j'ai pas compris. C'est dommage. Mais bon, c'était épique. L'insecte qui met le petit hit dans le cucu. Ça, je pense que ça va être un... Ça restera dans les mémoires. Bon, bref. Allez, paf, Astera.
Bon bilan, Ratalos, Racian, Pouké Pouké, Kuluyaku, ça va. Hein. Alors poche infernale, on a noté une poche infernale. Poche infernale, attention, j'ai l'impression que c'est super important. Je regarde ce que je loot. Avant, je spammais comme un boubours. Maintenant, je regarde vraiment ce qu'on a. Électrode, deux électrodes. Poche foudre, nickel. Poche infernale qui devait être sur la Racian aussi. Ah, c'est cool. Ça sent les petits upgrades. J'espère. Et mine de rien, on avance hein, dans l'investigation de la Racian. Point d'interrogation. Alors, soit c'est une espèce de Racian différente, vraiment même visuellement. Donc, vraiment une Racian qu'on ne connaît pas. Ou alors, c'est là la Racian typiquement qu'on affronte, qui est juste plus balèze et qui loot du plus, plus, plus. En vrai, c'est cool. C'est cool. Je vais même être un petit peu en avance. Et ça, c'est cool. Mais de toute façon, ce soir, je sais pas ce qu'on fait. Hein. Peut-être que ce soir, on refera une session ou quoi. Peut-être que j'aiderai un peu ma femme. Pour avancer et l'aider, ouais. On va voir. On en sait un peu plus sur ce monstre mystérieux. On va faire notre rapport aux archives écologiques? Oui. Oui. Alors au niveau des récoltes, parce que ouais, les potions secrètes, zut quoi. Hein. Oh, oh, c'est toi. Putain, c'est de la bite. C'est de la bite. J'ai limite envie de pas les prendre. Artisanat. J'ai pas. Ouais. Bon, on va les garder hein, et puis on sait qu'on en a d'autres. Mais faut pas, voilà, faut pas trop les utiliser parce que là c'est grosse misère. Hein. Qui c'est que je vais aller voir aussi? Oui, lui. Ah oui, mais c'est considéré comme une mission, donc on va pas aller le voir. On va pas aller le voir. On fera ça la prochaine fois. Oh, je pense que je la mettrai sur YouTube hein, cette session, parce qu'elle était sympa, mine de rien. Mine de rien. Améliorer. Oui. Cabalité et ressources inconnues. D'accord. Bon, finalement, je suis pas si loin que ça que d'avoir. Bah oui, j'ai un glaive en explosion, quoi. Merde. Va peut-être s'en servir. Barbare 3. Que. Ah, je pourrais avoir en paralysie. Oh putain, c'est abusé en vrai. C'est abusé parce que. Attends. Eh ouais, les armes que j'utilise en fait, elles sont moins balèzes que certaines autres que j'ai. Je suis con. Oui. 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 Tout à fait. Tout à fait. Oui. Oh là 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 là. Oh le cul du cul. Rareté 6. Ah mais attends, ça reste en même rareté. Vraiment? C'est de la bite. Alors oui, hein, je me suis un petit peu emballé au niveau des ressources, mais merde. Oh le plan cul. Énorme.
Ah, il manque une poche toxine pour avoir poison plus haut level. Dommage. Et Kaigajo, mais oui, il manque juste des petits poissons à la con pour le faire celui-là. Super important. Il faut le faire. Il faut le faire. En plus, c'est des poissons à la con. On pourrait même aller les chercher. Je suis en train de me dire qu'on va aller peut-être les chercher. Bon, ça, avant d'y arriver, au secours. Relique de dragon. Ah ouais, non, mais ça a l'air juste insane. Ok. Le bâton Diablos qu'on avait fait au Sacerdos. Non, non, mais ouais, je pourrais avoir un bâton Diablos, mais genre encore plus craqué. 620 dégâts! Avec l'élément glace. Hein. C'est insane. Ah, le Flamencuche. Ah ouais, 4 crocs en Janaz. Ah bah ouais. Ah mais c'est des crocs plus. Alors que ma femme avait besoin des crocs normaux. Et ça va être le petit souci. C'est que... voilà. C'est l'incompatibilité compatible. Ou l'inverse, la compatibilité incompatible. Plutôt. Donc ça c'est pareil. Kirin c'est quoi? C'est quoi ça? J'ai pas une sorte de bestiaire qui me permet de savoir au niveau des ressources. C'est quoi les Kirin? C'est pas les, les lézards? Ah ben non, c'est les Juros ça. Je sais pas. En vrai, il est trop stylé. Foudre 300. Oh ouais, le délire. Bon, il fait moins de dégâts. Voilà, j'ai pas l'info. Et rareté 7 pour le coup. Ah ouais, mais en fait, le os de dragon est vachement plus craqué dans tous les sens du terme. Glaive son brassier. Mais comment on fait pour l'avoir, le glaive son brassier? J'en ai pas en plus. Ah ouais, mais 300 de foudre alors que celui-là, 180, mais il fait plus de dégâts. Ouais, mais dans la finalité, je suis sûr que celui-là est encore plus craqué. Oh, mon dieu. Elles sont toutes tellement ouf en fait, j'ai envie de toutes les avoir, mais oui, par contre, oui, forger dans les armures. Rathalos, ah, Medulla Rathalos, qu'est-ce que c'est que ça? Comment je peux voir? Empêche les attaques d'être déviées. Alors là, il faut plus que 2 équipements pour avoir la rage élémentaire. Par contre, au bout de 4 équipements, on a aussi le... le œil de l'esprit. Ah ouais. Ah, en sachant que version... Attendez, c'est laquelle? Ah oui, non, c'est la version sans joyaux. Alors qu'avec la version avec joyaux... Ah mais si, on l'a aussi. Ah, c'est juste que sans joyaux, on a plus de talent. Et on a un bonus élémentaire feu. Et en plus, c'est celle tout en noir. Oh là 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 là. Ah, et celle-là est ouverte. J'avoue qu'elle est... Ouais, en noir, elle est ouf aussi. Hein.
Bah, j'avoue que celle avec les joyaux là comme ça, ouais, placeron, il a l'air complètement dingue. Mais putain, il manque juste quelques petits trucs. Rubis! Ah mais c'est ça alors, le fameux truc à farmer qu'apparemment je voyais certains viewers qui me disaient ouais je l'ai farmé pendant 4 heures juste pour avoir ça. Donc ah ouais, d'où l'intérêt de farm comme un sale quoi. Oh t'as mais au secours la misère quoi. Ouais, y a rien de fou quoi, hein. C'est ouais, c'est de la merde. Le pire, c'est que je suis presque à pouvoir me... Ah, remarque celui-là, la cuirasse, les jambières, je pourrais rapidement les avoir. Celui-là me donnerait un bonus feu. Ouais, c'est pas mal. Le full set serait pas mal, mais ah non, mais là on est sur les avec le joyau. Sans les joyaux. Sans les joyaux, c'est peut-être un petit peu plus galère. Ah non, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui, donc sans les joyaux, hein, ça donne plus de talent. Accélère, lance la joueuse, des épées longues, lame double. Ah, c'est con parce que j'ai pas. J'ai. J'ai aucune de ces armes-là. Après c'est la tassette et si je suis en jupette Kadashi, ça se passe comment? Ouais c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Et ben non les Janna on n'a pas parce qu'on l'a jamais affronté encore. Non mais ok. Ok, ouais, non, on... Ouais. Ah, c'est quoi, c'est ça? Ouais, j'avoue que œil de l'esprit serait ouf. Mais Mais le problème, c'est que j'aurais pas forcément tant l'intérêt que ça en fait de le faire. En fait, c'est limite si je vais avoir l'intérêt que de faire deux équipements du Rathalos. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, puissance d'attaque feu. Puissance des attaques feu. Ouais, il me ferait un gros boost en feu, mais je m'en fous en fait. Ouais, c'est à réfléchir, parce que peut-être que je vais en faire que deux et combiner avec autre chose. Avec une partie Legiana, une partie Kadashi ou l'autre là, le Bazelgeuse là qu'on n'a pas encore tué. Donc ouais, à voir. À voir, à voir. À voir. Et ça, on peut pas l'améliorer? Ah, ben si!
Vas-y. Et là, il me dit quoi? Oui, là, il me dit d'aller me faire foutre littéralement. Ruby Racian. Ah oui, d'accord, ouais, très bien. Ok. Et donc là. Ouais. Ouais, donc j'aurais vraiment que dalle hein, pour. Donc les chamos, ok. Et le fusium, bon, on sait pas ce que c'est encore. Mais ouais, ok. Os du rose, putain, je vois ça partout en vrai. Ouais, on va aller dans cette direction hein, pour aller à l'élément explosion. C'est plus stylé que ça. Ah, après c'est tentant. Là c'est quoi, c'est effet paralysie. L'explosion, ah explosion c'est cool. Ouais, ok. Et au niveau des joyaux. Ouais non, ok. Les joyaux faut les gagner. Très bien. On est bon. Juste je dois check l'équipement. Voir collier, qu'est-ce que j'ai. Oui, donc ça augmente l'électricité, donc c'est dingue. Et ok. Et ben cool. Et ben faudra farmer tout ça. Du Tobi Kadashi, du Rathalos et éventuellement aller péter la gueule à la Legiana, ce serait pas mal. Même si je pense qu'en expert elle doit vraiment faire mal. Et puis voilà. On verra bien plus tard. Bon bref, voilà, je confirme que cette VOD est sur YouTube. Parce que de toute façon vous la regardez. Donc c'est que allez sur YouTube. Voilà, tout simplement. Et on se retrouvera bah, du coup très vite hein, pour la suite de tout ça. À voir. Je pense que j'enregistrerai systématiquement et en fonction de du contenu, j'aviserai sur le moment si j'admettrai ou pas. Parce que je pense qu'il va falloir farmer énormément pour arriver à avoir quelque chose de correct, mais aussi on va avancer, donc vous inquiétez pas que ça va vite se faire dans tous les cas. Bref, des gros bisous, et bien sûr comme d'habitude je vous dis ciao tout le monde.